Hello tout le monde, aujourd'hui on est avec Yves Rocher, créateur de la cosmétique végétale et je vais vous montrer comment nettoyer vos pinceaux. Pourquoi? Parce que les pinceaux se sont vraiment gagnés à batterie et cela peut engendrer l'apparition d'imperfections. Alors l'idéal, ce serait de les nettoyer après chaque utilisation, mais c'est un petit peu compliqué. Donc on vous conseille de les nettoyer au moins une fois par semaine. Et pour nettoyer vos pinceaux, il est important de choisir un nettoyant doux. Vous avez l'option du shampoing solide douceur, ou sinon il y a l'équivalent en bouteille du shampoing douceur nourrissant sans sulfate. On va ouvrir les produits ensemble et procéder au nettoyage. Il est important, pour ne pas abîmer votre pinceau, de mettre uniquement la partie des poils sous l'eau comme ceci, et vous allez simplement faire mousser en fait votre pinceau directement sur le savon. Vous faites des petits mouvements circulaires. Comme vous pouvez voir, c'est un petit peu sale. On mousse comme ceci et après, je vais vous montrer comment rincer. L'étape du rinçage est très importante. On met un tout petit filet d'eau. Pareil pour cette opération-là, vous mettez uniquement les poils sous le petit filet d'eau. Et pour l'essorage, vous pincez. Vous pouvez voir l'excédent de matière qui s'évacue. Et vous répétez l'opération jusqu'à ce que l'eau soit totalement claire. Je pense que le pinceau est bien. Pour faire sécher votre pinceau, vous pouvez le poser sur une serviette propre, ou si vous en avez l'occasion, vous pouvez le mettre la tête en bas. Si vous êtes dans la team shampoing liquide, vous avez juste à mettre une petite noisette dans le creux de votre main et on répète l'opération de la même façon. On mouille encore une fois uniquement les poils sous un petit filet d'eau et on fait mousser notre pinceau dans le creux de notre main, comme ceci. Et on répète l'opération en rinçant de la même façon. On pince pour enlever l'excédent de matière jusqu'à ce que l'eau soit totalement claire. Et voilà, nos pinceaux sont propres. Je vais les laisser sécher sur ma serviette propre aussi. Si vous voulez retrouver vos conseils beauté, rendez-vous sur la chaîne YouTube Yves Rocher France. Bisous!